capitaine Marcel Levier revint au front sitôt guéri. En mars 1915, il reçut une triple blessure. Il revint au front une troisième fois et combattit devant Verdun. Des éclats de grenades l'atteignant au visage et aux yeux le rendirent aveugle. Le capitaine Levier, estimant qu'il pouvait encore être utile à son pays, parcourut alors l'Amérique, où il fit plus de 500 conférences sur la France.